Le gros cul de la main de tous les membres du gouvernement de Koubia, tous ceux qui ont découvert les 180 milliards, on a la paix à Gon Tchamay. Le site c'est à 18 ans. Vous êtes à Yaoundé, vous voulez les 180 milliards, les 180. Le gros cul de vos mamans, le gros cul de vos mamans, allez tourner. Vous et Paul, le cul de vos mamans. Oui, j'assume les conséquences de mes parents. Vous êtes vous, plus seulement. Dans ce Tchamay, la paix, si tu sois à 4 heures, tu me tchamas pour tchamas 2000. Quelqu'un se lève à 8 heures de son lit. Pas dans son bureau, la 9 un bon 8 c'est quoi la qui me tape, ceci me tape, cela le tape. Il faut 180 milliards. Va les bananes, hein. Partout, tu passes avec un doigt. Avec toi, les bananes, tu passes. Mais tu viens avec. Faut bien le profil de ta maman. De ton gouvernement. Vous mettez-vous dans la lame, pour tout. Oh, on a. Antoine. Yo, tiens, il m'a le maïs. Le maïs. Le maïs. Le maïs. Le gros cul de la main de tous les membres du gouvernement de Koubia, tous ceux qui ont détruit les 180 milliards, on a la paix à Gon Tchamay. Le 6 à 18 ans, tout en 2000. Vous êtes à Yaoundé, vous voulez les 180 milliards, les 400. Le gros cul de vos mamans, le gros cul de vos mamans, allez tous les. Vous et Paul, il a le cul de vos mamans. Oui, j'assume les conséquences de mes parents. Vous êtes vous, plus seulement. Dans ce travail, la paix, si tu sois à 4 heures, tu me tiens à bout de 2000. Quelqu'un se lève à 8 heures de son lit, il passe dans son bureau. La 9 heures, bon, 8 heures, c'est quoi? La qui me tape, ceci me tape, cela le tape. Il faut 180 milliards. Va les bananes, parce que tu passes avec un doigt. Avec un doigt, les bananes, tu peux partir. Mais tu viens avec. Il y a le coup de ta maman. Mais ton gouvernement, vous mettez vous dans la lane, vous êtes vous. Oh, on a. Antoine. Yo, tiens, il m'a le maïs, le maïs. Bon. Mais tiens, vous là. Il te chère là, tu me chavales. Bon, moi. J'ai un mot à dire sur cette histoire. Beaucoup ne seront pas contents de ce que je peux dire, mais j'ai un mot à dire. On a la paix à Gon Tchamay. Le 6 à 18 ans, tout en 2000. Vous êtes à Yaoundé, vous voulez 180 milliards de gâteaux. Le gros cul de vos mamans. Le gros cul de vos mamans. Allez, vous et Paul, il y a le cul de vos mamans. Oui. Vous êtes vous, plus seulement. Dans ce travail, la paix, si tu sois à 4 heures, tu me tiens à 2000. Quelqu'un se lève à 8 heures de son lit. Il passe dans son bureau. La 9 heures, bon, 8 heures, c'est quoi? La qui me tape, ceci me tape, cela le tape. Il faut 180 milliards. Va les bananes, hein, partout où tu passes avec un doigt. Avec un doigt, les bananes, tu peux rentrer. Mais tu viens de avec. Faut bien le coup de ta maman. De ton gouvernement. Vous mettez vous dans la lane, en fait, pour tout. Oh, on a. Voilà. Et puis, tu as vraiment le maïs, mon frère, le maïs. Bon. Mais tu as un problème. Et pour finir, voilà ici, en train d'assumer ses paroles. Voilà qui assume. Voilà. Maintenant, moi, je vais parler. Ok. Pour vous parler, je n'ai pas besoin de me cacher, j'assume. Bon. Parlons alors. Je bois ma tasse de café. Adama. On peut parler mal comme ça. Adama. On peut parler mal comme ça. Elle n'a pas vous dit de partager. Hein. Si vous voulez vous partager, pas même avec deux personnes, elle va dire ce qu'elle pense. Voilà. Voilà les conséquences de du libertinage. Oui. Ah, c'est les conséquences du libertinage. Voilà les Camerounais, voilà une occasion. Quand elle vous dit que c'est un peuple amorphe, voilà une occasion. Où les gars pouvaient saisir de cette occasion dans un champ de bananes où il est en train de travailler, où moi j'ai eu à faire les directs là-dessus
que je ne suis pas d'accord, je n'apprécie pas, parce que ce que ces gars font dans ces champs des plantations de bananes, c'est quasi l'esclavage. Ils travaillent dur pour ne rien gagner, dans de très mauvaises conditions. Ils n'ont aucune assurance, rien, rien. Voilà donc une occasion où les gars pouvaient saisir de cette occasion. Hein? Moi, dans un contexte comme celui-là, oui, je vais bien aimer rendre cette vidéo virale. Virale. Parce que les gars sont mobilisés et ils sont en train de faire des revendications comme quoi nous travaillons durement dans des conditions pas possibles et nous, on veut que ça change. On veut plus que ce soit comme ça. Parler. Dis les paroles justes là où il faut dire les paroles justes. Mais non, les gars ne le font pas. Pourtant, ce qu'ils sont en train de dire, c'est quelque chose de trop pertinent. Mais le dit dans un contexte un peu plus poli, un peu plus... Non, tout ce que les gars trouvent à dire, c'est que le gros cul de la maman des gens. Vous avez vu ici sur la toile, les gens sont allés dans l'émotion comme vous. Voilà les conséquences de nos actes, hein. Je ne m'enlève pas dedans moi-même. Les conséquences de nos actes qui sont en train de se répercuter. C'est-à-dire quand je dis qu'on a échoué le combat dont nous étions en train de mener, nous l'avons échoué dans tous les sens. Bah, voilà les conséquences de combat dont nous menons en diaspora, qui est en train de se répercuter, mais se répercuter dans quel sens? Dans le très mauvais sens. De la mauvaise manière. Faire des revendications, c'est une chose. Mais les faire en bonne et due forme. Nous avons vu ici Serge Anango dire dans les mots, le coup de l'émotion et tout ce qui allait avec, tenir les mêmes propos pour après les regretter. Lui qui était même un intellectuel, tenir ces mêmes propos là pour après les regretter. Donc voilà dans la répercussion du mauvais activisme, du mauvais combat mal fait. Fait sous le coup de l'émotion, fait avec, je ne sais pas comment dire. Mon frère, vous avez l'occasion de parler. Quand vous avez l'occasion de parler, faites des revendications. Dans où tu étais assis là, mon frère, fais les revendications. Parle, crie haute et intelligible voix. Appelle même tes collègues même. Une occasion même pour que vous gréviez même. Vous organisez même une grève. Non, vous ne le faites pas. Tu dis que tu assumes tes propos. Que le gros cul de la maman des gens. Maintenant, alors que tu as dit que le gros cul de la maman des gens, non seulement ça a des conséquences sur toi-même, déjà un, et ça ne change rien à la condition de toi et de tes autres compatriotes qui travaillent dans ces conditions-là. Ce n'est pas ce qu'on vous demande dans le 200 français. Hein? Ce n'est pas ce qu'on vous demande. Parce que j'ai vu les postes comme quoi. Et soutenons, demandons. Moi, je ne soutiens pas la bêtise, je ne soutiens pas la connerie. Beaucoup ne seront pas d'accord avec moi. Mais c'est mon point de vue. Je suis libre de donner mon point de vue. Je ne soutiens pas la bêtise ni la connerie. D'ailleurs, même Serge Anango, quand il avait dit le gros cul de la maman du président de la République, je n'étais pas d'accord avec lui. Raison pour laquelle j'ai aimé quand il s'est fait petit, il allait demander des excuses. Je n'étais pas d'accord avec lui sur ce point. On veut le changement, mais ce n'est pas de cette manière. Quand vous avez des occasions comme celle-là, faites des revendications qui vont porter. Maintenant, ce que tu as fait là, ton acte que tu as posé là, jusqu'à dire que tu assumes tes propos là, ça va servir à quoi? Ça va changer quoi dans la donne? Ça, c'est la question que moi, je me pose. Ça servira à quoi et ça va changer quoi dans la donne? Hein? Et même dans les gens qui disent que, oh, soutenons-le, rendons cet acte viral, ça c'est une bêtise. À rendre viral, c'est ça, c'est une connerie. On rend quoi viral? Les mêmes gens qui sont en train de le dire, les mêmes gens qui sont en train de condamner la gifle que le président Emmanuel Macron a reçue. Mais soyez cohérents. De qui vous vous moquez? Vous soutenez
le président Emmanuel Macron, non, ce n'est pas bon qu'on le gifle, machin truc. Mais en même temps, vous soutenez quelqu'un, vous dites qu'on doit soutenir quelqu'un parce qu'il s'est assis dans son lieu de travail, où il travaille avec dans les conditions pas normales que nous tous, moi-même je suis d'accord, et je l'ai toujours dénoncé dans mes, j'ai eu à le dénoncer dans mes directs, que ces plantations de Ndjombe Pendja, cette exploitation, l'exploit des enfants des gens, dans les bananeraies et tout, j'ai toujours eu à le dénoncer dans mes directs d'ailleurs. Mais si une occasion comme telle se présente, mon frère, exprime-toi. Parle. Dis que non. Hein? Crie. Voilà le genre que nous, on va alors maintenant prendre ça et partager et rendre ça viral. Non. Ce que tu viens de dire, c'est que le gros cul de la maman des gens. Bon, maintenant que tu as dit que le gros cul de la maman des gens là, ça a changé quoi dans la donne? Pourquoi vous comprenez la liberté d'expression et le libertinage dans le baladage? Pourquoi vous confondez la liberté d'expression? La liberté d'expression veut que je ne suis pas contente de quelque chose. Je viens, je m'exprime dans le contexte avec les mots qui vont avec. Je ne suis pas content. Nous travaillons ici comme des malades. On travaille comme des fous. On ne gagne pas grand chose, hein? On travaille de telle heure à telle heure, on nous utilise comme des esclaves. Exprimez-vous, criez votre râle au bol au monde entier. Là, nous, on va prendre ça, on va rendre ça viral. Mais on va rendre quoi viral? Que tu as dit que le gros cul de la maman des gens, jusqu'à vous demander aux gens de soutenir, qu'on soutient quoi tout ça? Hein? Depuis qu'on les demande de se réveiller, d'arrêter de se réveiller, de sortir, de faire des réclamations. Que quand Enéo coupe le courant, sortez, faites des réclamations. Quand on coupe l'eau, sortez, faites des réclamations. Vous faites des boulots comme ceux-là, à vos risques et périls. Sortez, faites des réclamations. Voilà même une occasion même d'organiser même une grève. Non. Le gros cul de la maman de tel ou bien de tel. Bon, maintenant que tu as dit le gros cul de la maman de quelqu'un là, ça a changé quoi? Et vous avez dit que moi, il doit venir. Soutenons ça, soyons solidaires, soutenons. On est solidaires à quoi? À la bêtise. On va être solidaires à la bêtise. Non, moi je dis, je ne soutiens pas ça. Je suis désolé, mon jeune frère, mais je ne soutiens pas ça. Parce que c'est les conséquences du mauvais combat que nous avons toujours mené en diaspora. Soutenir les bêtises. Soutenir la connerie. Hein? Aujourd'hui, il va dire que le gros cul de la maman du gouvernement de... Demain, si le gouvernement là n'est plus là, un autre gouvernement est là, il va répéter les mêmes choses. Donc c'est ça qu'on va soutenir, quoi. Moi, je ne soutiens pas ça. Oui. Je ne soutiens pas ça. Je ne soutiens pas. Et Balaki s'est levé. Et Balaki s'est levé. Il est allé devant la poste centrale. Il a dit que venez ici. Il vous a appelé que venez ici là. Me retrouver, crions notre râle au bol. Demandons que les choses changent au Cameroun. Personne ne l'a rejoint. Voilà quelqu'un qu'il fallait soutenir. Et Balaki. Je ne vous ai même pas vu rendre ça. Beaucoup, parmi vous là, beaucoup ont dit que, oh, qu'il avait envoyé, oh, il s'est levé seul, oh, machin, tout qu'il avait envoyé. Mais aujourd'hui, vous venez dire aux gens qu'on doit soutenir quelqu'un qui s'est assis dans un champ, hein, où il travaille dans les conditions précaires, au lieu de poser son problème sur la table, de crier son ras-le-bol, parler comme il faut parler. Non, il a dit que le gros cul de la mère, moi, il doit venir soutenir ça. J'ai dit non. C'est ce que j'avais à dire. Beaucoup ne seront pas d'accord de ce que j'ai dit là. Mais c'est mon point de vue. Moi, c'est comme ça. Parce que je parle parce que j'ai vu les posts. Et puis les gens ont fait les posts. Comme à moindre occasion, chaque chose, la bêtise, vous sautez dessus. Chaque chose, vous sautez dessus. Pour en continuer à entretenir ce que vous appelez que combat là. Non? Oui, mais ça, c'est les mauvais exemples. Ça, c'est les répercussions du mauvais combat qu'on a mené jusqu'à nos jours. Ça, je le dis et je l'assume. Moi, je ne soutiens pas la bêtise.